Ils l'ont jeté par la portière. Il n'a pas compris tout de suite. Il a couru longtemps derrière. Mais la voiture allait trop vite. Et pendant des journées entières, il a vu les autos passer. Mais personne n'a fait marche arrière en le voyant dans le fossé. Après les premières caresses, puis quelques mois d'indifférence, ils l'ont laissé à sa détresse. Au début des grandes vacances, pareil à l'objet que l'on jette, quand il devient trop encombrant, ils le remplaceront peut-être par un chien plus jeune en rentrant. Le chien abandonné en été par ses maîtres, l'air toujours la route et fait des kilomètres, traversant les villages, faisant peur aux enfants qui ne savent pas encore qu'il n'y a que les gens. Il soit vraiment méchant. Il ne les a pas oubliés. Depuis le jour qu'il vagabonde, dans l'espoir de les retrouver, il irait jusqu'au bout du monde. Il verra bien un jour sans doute finir sa marche solitaire en voulant traverser la route ou amener par la fourrière. Le chien abandonné en été par ses maîtres sur le bord du fossé, vaut bien que l'on s'arrête. Quand ouvre sa portière, elle fasse monter pour qu'en France, en été, il n'y ait plus jamais de chien abandonné.